You ready? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, rebonjour. Nous sommes eh bien, ici présents pour un nouveau live. On vient d'en terminer un il y a quelques secondes. Donc si vous arrivez sur cette rediffusion, c'est normal, tout va bien. Vous inquiétez pas. Hein. Voilà, un petit live un peu particulier puisque sur ce live, aujourd'hui, eh bien, c'est vous qui allez choisir le jeu qu'on va faire. Je vais vous faire plusieurs propositions et puis vous me direz ce que vous en pensez. Je vais attendre que vous arriviez tranquillement. Je vois que c'est en train de débouler. Est-ce que je remettrai pas le chat aussi ici? Tac, on va faire ça, on va faire ça, tac, 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 on va rafraîchir le chat. Hop, le chat est parti en vacances. Bah, c'est pas grave, vous avez de toute façon le chat normalement qui est juste là. On va mettre bonjour, bonjour, hop là, tac, voilà, youpi. On va se mettre sur la scène de live. Oui, on a carrément le chat qui est parti en RTT. Eh ben, on va changer ça tout de suite. Allez, je vous remets un nouveau chat tout neuf. On fait ça en direct. Voilà, tac, tac, tac. Les modos toujours en rouge. Tac, tac, voilà. Ça, on va le mettre en bleu parce que le bleu, c'est bien. Et le jaune, j'aime pas le jaune. On va mettre le vert. Voilà, comme ça, ce sera bien. Tac, on va mettre ça comme ça. Bon, on va le mettre comme ça parce que c'est joli. Voilà, parce que ça fait plaisir. Allez, hop. Bon. En tout cas, merci hein, d'être toujours présent, de venir sur ce petit live complètement improvisé. C'est un live éphémère qu'on va faire. Puisque celui-ci, selon ce qu'on fera, selon comment ça va se passer, viendra à disparaître. Voilà, je le dis. Alors, tac. Hop, ouvrir le chat. Bonjour, monsieur le chat. Voilà. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur OBS. Voilà, on se met ici. OBS, ne me fais pas de trucs chelous. Voilà, on se met ici. Les petits réglages de dernière minute parce que vraiment, j'ai lancé le live au pif. Le temps de me faire un café, machin, j'ai lancé le truc en 2-2. Allez, hop là, voilà. Ça, comme ça, c'est fait. Allez, ça, ça dégage. Tac, on met un nouveau chat. Voilà. Allez, le chat est OK. C'est good. On va se remettre en bas. En attendant, tiens, sur la scène d'accueil. Voilà, comme ça, vous avez le petit chat qui est là. Il va faire les couleurs de l'arc-en-ciel. Ah, c'est beau. Bah, écoute, je ne sais pas si j'ai fait les couleurs de l'arc-en-ciel, mais en tout cas, c'est parti. Multi-univers vidéo. Yo, comment ça va bien? Comment ça va bien? Aujourd'hui, voilà, on lance un deuxième live, d'où la miniature. Le live surprise, bah c'est quoi le live surprise? Vous allez décider du jeu qu'on va faire, tout simplement. Vous êtes 4 sur le live, donc je vais vous donner une liste de jeux, et puis vous me direz ce que vous voulez qu'on fasse, tout simplement. Je suis en train de bouffer, et bah bon appétit à toi. Alors, de déjà installer, soit on continue un live qu'on a déjà commencé, soit vous choisissez tout simplement ce qui va vous être proposé. Évidemment, si le jeu, on l'a déjà fait sur la chaîne, on ne va pas le refaire. Ça n'a aucun intérêt, clairement. Moi, je viens de me brûler la bouche. Alors, nous avons la liste. Hein. On a... il y a certains jeux que je devrais réinstaller, mais comme j'ai la fibre, ça va aller vite. Donc, on a Seven Days to Die. The Callisto Protocol, on l'a déjà fait, donc non. Counter-Strike, non, forcément, parce que c'est un jeu en multi, je vais faire un jeu solo. On a du Doom, du Dragon Ball FighterZ, du Dragon Ball Kakarot. Bon, The Elder Scrolls, c'est déjà poncé à fond. Elite Dangerous, c'est pas vraiment super intéressant hein, pour vous. The Forest, on est sur Son of the Forest, donc du coup, pas vraiment grand intérêt. On est 4, mais je me compte double, nous dit Max. On a Jurassic World Evolution, un petit jeu de chill, un petit jeu de gestion avec des dinosaures.
Après, on a Colat, Killer Instinct, Little Nightmare 1 et 2. Bon, Mortal Kombat, vous oubliez parce que c'est 100 gigas hein, d'installation. Donc voilà. On a Northgard, on a Phasmophobia, Stray, on l'a déjà fait sur la chaîne. Street Fighter 4, enfin Super Street Fighter 4. Bon, j'imagine, pas forcément le truc le plus intéressant pour vous. Les Castlevania, avec tous les Castlevania, sachant qu'on vient de terminer Super Castlevania 4. Le seul qu'il n'y a pas dedans, c'est forcément Symphony of the Night. On a du Crab Games, on a Dragon Ball Fighter Z, on a Frostpunk, Jurassic Park Evolution, Little Nightmare 1 et 2, Mad Max, on est en train de le faire. Ori and the Will of the Wisp, Resident Evil 2, on a Sea of the Stars, mais bon, par contre, c'est la démo. Signalis, on a Song of the Forest and the Garde, Starfield aussi. Abzu, Ace Combat, Edge of Empire 2, version anniversaire. Alien Firestorm, The Arkful Escape. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Blair Witch, Blasphemous, Castlevania Lord of Shadow 1 et 2, Child of Light, on a Dark Messiah, DZ, on a les Dead Space, on va pas les faire, on les a tous faits. On a Dirt, Don't Strive, on a EQI, Escape to the Oniwoki, Fall Guys, Farm Together, Fury, Gang Beast, Gunklet, Getsu Fumaden, Golf Gang, Green Hell, Green Down, le jeu gris, GTFO, ça c'est un jeu, on ne peut pas jouer tout seul. Enfin, on peut, mais c'est une putain de misère. Half Dead, Half Dead 2, Heavenly Body, Hellblade, Senua's Sacrifice, Hide and Deep, Ikai, mais ça on l'a déjà fait. In Silence, ça c'est un jeu qui se joue en multi. Infernax, Jurassic World Evolution, Kenya Bridge of Spirit, ensuite on a Mark of Ninja, on l'a déjà fait. Mist of Maiden, Mother Russia Blitz, on l'a fait. Naruto Shippuden, ça c'est un jeu de baston, mais je me dis qu'il va être peut-être long à télécharger. Omno, Ori and the Blind Forest, on l'a fait. Overlord. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Resident Evil 1, on l'a fait. Resident Evil 0, on l'a fait. River City Girl, on est en cours. Scorn, c'est pareil, on est en cours. Secret of Mana. Silver Chain, c'est pareil, ça c'est un jeu qu'il faut qu'on termine. Song of Horror. Starship Troopers. Tales of Iron. Trial Rising, je vous préviens, si vous me sortez Trial Rising, je rage quitte. Warfarm, mais bon, ça c'est plus un jeu en multi. Worms, et c'est tout. Et c'est tout. Multiverse, alors Sea of Stars, le problème. 7 Days to Die, nous dit comment ça s'appelle. Nous dit Max Blade. Alors, le problème de Sea of Stars, c'est que c'est une démo. C'est une démo, je n'ai pas le jeu, j'ai juste la démo et je me dis que ça va pas durer longtemps. Donc autant essayer de faire un truc qui dure quand même un peu plus de 2 heures. J'imagine que Sea of Stars, la démo ne dure pas 2 heures. Concrètement, je pense que c'est quelque chose qui va être compliqué. J'aimerais bien te faire plaisir, hein, multi, hein, vraiment, mais c'est la démo, donc je pense qu'on va pas aller très très loin. Donc, n'hésitez pas à faire votre choix. Je vois, Sea of Stars. Je passe mon tour. Nat ne sait pas trop non plus. Ou alors, est-ce que vraiment je prends un des jeux qui est déjà installé et qu'on a pas fait en live et on le balance pas. Ce café est bouillant. Ce café est littéralement bouillant. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous faire vous faire triper parce que par exemple tu vois enfin vous voyez si on prend si on prend Trial je vais rager comme un psychopathe donc ça n'a aucun intérêt Little Nightmare alors ah là 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 pourquoi pas ça me j'avoue ça me ferait bien kiffer Little Nightmare j'avoue. J'avoue.
Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous avez envie de partir sur un Little? Je vous préviens, il va falloir sortir la boîte de mouchoirs. Cette phrase est particulièrement creepy. Préparez les Kleenex, hein. C'est encore pire. C'est encore pire. Allez, on part sur ça? Allez, si on part sur ça, eh ben, j'ai envie de vous dire let's go, quoi. Allez, il suffit juste de un ou deux oui et je considère que c'est OK pour vous et c'est parti. Vous avez été gentil quand même, hein. Vous n'avez pas pris des jeux à s'en arracher la tête. Parce que j'aurais pu vous donner des catégories, hein. J'aurais pu vous dire horreur, action, combat, etc., etc. Ou sport. Oui, je suis prêt. Oh, Multi, il est chaud patate. Il est chaud patate pour un Little Nightmare. C'est parti, nous dit Nat. Allez, encore une personne qui dit OK. Et puis, bah, let's go, hein, j'ai envie de dire. Let's go. Allez, je mets le doigt dessus. On va partir du principe que vous êtes chaud pour Little Nightmare. Allez, je me mets donc sur la périphérie de capture. Ça, c'est la capture caméra. Ika, t'es vraiment un abruti. Donc, on se met sur la scène de live. Voilà. Pour profiter du début, hein, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever, voilà, hop, le chat, la caméra, voilà, capture de jeu. Hop, Little Nightmare. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Je vais faire quelques petits réglages, évidemment, hein, juste avant, pour éviter que ça vous pète les oreilles. Oh là là là, Tarsier Studio. Unreal Engine. Là 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 là, j'ai des frissons! J'ai des frissons. Rien que d'entendre cette petite mélodie. Oh, le suspense! Le suspense. Alors, on va faire un petit truc vite fait. On va faire les réglages comme d'habitude. Vous me dites si le son est assez fort pour vous. Ou si au contraire, il est trop fort. Alors, voyons voir. Déjà, paramètres. Ok, machin, nan, clavier, gna, résolution. Normalement, il doit être à fond. Qualité graphique. Hop, il est en ultra. Pff, que demande le peuple, vraiment. Peut-être la luminosité. Peut-être augmenter un petit peu la luminosité. Voilà pour vous. Parce que le jeu est relativement sombre. Voilà, jusqu'à ce que l'œil soit à peine visible. Voilà. Bonus, c'est quoi déjà bonus? Les masques, machin, nan, nan. Alors, nouvelle partie. Bon, on va faire ça. Y a pas le son. Clavier, synchro, plein écran, résolution, qualité graphique avancée, luminosité. Ah, volume de jeu sonore. Voilà, on va le baisser un petit peu. Ok. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on repart sur l'un des jeux qui m'a le plus marqué. Vraiment, si à chaque fois si on me pose la question, le jeu qui m'a vraiment entre guillemets, eh bien, je dirais touché, hein, touché la corde sensible, c'est Little Nightmare, c'est la saga Little Nightmare, clairement. Allez, nouvelle partie. On va prendre une autre sauvegarde et on y va.
Oh là 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 là! Alors on va faire un truc. On va se mettre vite fait dans les paramètres. Apparemment, il a l'air quand même de gadouiller un peu. Voilà, on va mettre en élevé. Ça devrait aller un peu mieux. Voilà. Hop. Ça a l'air d'être pas trop mal. Ça a l'air d'être pas trop mal. Ça fait tellement bizarre de revenir sur le jeu. Alors, je me souviens plus trop des touches. Ça, je m'en souviens par contre. Jeter des trucs partout, je m'en souviens. Bon, par contre, je me souviens plus de tous les petits secrets à droite à gauche, hein. Je sais qu'il y en a, il y en a un peu partout dans le jeu. Alors ça, c'est pour se baisser. Ok. Ah, ah oui, c'est vrai, on a une petite lumière pour chercher les objets cachés. N'hésitez pas à me dire, hein, si le son du jeu est assez fort pour vous, si l'écran est assez fluide également. J'ai l'impression qu'il y a des micro-ralentissements. Ou c'est peut-être moi qui pars un peu en cacahuète. Alors, sachant qu'il faut trouver des, comment ça s'appelle, des petites statuettes. Donc on retrouve, hein, le fameux personnage de Six. C'est cet enfant, hein, qui va vivre des aventures incroyables, puisque le jeu, hein, va littéralement jouer avec nos plus grosses peurs. Voilà, on allume le petit point de sauvegarde. Comment on fait déjà pour entrer? Ah voilà, ok. L'ambiance de ce jeu est littéralement incroyable. Ika va brûler la maison. Ah bah, je pense, hein, qu'on va brûler la baraque, hein. Voilà, faut juste que je me rappelle bien des touches. Allez, on continue par là. J'aime bien le fait que le personnage touche comme ça le mur, on a l'impression en fait qu'il touche l'écran. Il me semble qu'on peut courir. Oui, on peut courir. Là, on est vraiment dans le tout début de cette aventure. Où en fait, quand on commence, on ne sait pas trop finalement où on est. Et on a des plans de caméra qui sont juste incroyables. Ce jeu m'a beaucoup marqué justement pour ça. Même l'ambiance du jeu en lui-même. Allez, on a une première poupée qui est juste là. Je crois de mémoire qu'il fallait utiliser ça. Ah non. Non, on peut pas le pousser. Il y a plein de choses, hein, qu'on peut faire dans Little Nightmare. C'est littéralement s'accrocher, sauter un peu partout. Et la démesure aussi du décor. C'est un trait, hein, qui a été souhaité par les designers pour justement donner encore plus de grandeur par rapport aux adultes, et avoir ces enfants qui sont volontairement donc rapetissés.
plat. Donc normalement de mémoire, je crois qu'il faut monter sur le lit. Ah oui, c'est vrai, on peut courir, sauter. Voilà. Hop là. Il y a des images très très glauques hein, quand même. Hein. Là, on arrive, on voit un mec carrément qui s'est pendu, quoi. Voilà, les souvenirs me reviennent petit à petit. Je sais plus si on peut interagir avec la lettre, je me souviens plus. Qu'il y a quelque chose derrière la porte. Non, c'est pas ici. Ah oui, la substance visqueuse là. Ça, par contre, je m'en rappelle. Ouais. Alors, il va y avoir quelques fails. Hein, Bon, je reste pas, j'ai des choses à faire à mardi soir. Mardi soir, voilà le live spécial anniversaire. Avec l'anniversaire de notre petite natte, mais également le mien dans la foulée. Donc on fera un petit live surprise. Voilà, je crois qu'on pouvait ouvrir. Je me demande s'il n'y avait pas un truc avant à récupérer. On va descendre vite fait. Alors, avec ce jeu, faut pas faire tout et n'importe quoi. Parce que sinon, ça peut vite tourner au drame. Alors là, on a un trou. Je crois qu'il fallait aller jeter un petit coup d'œil. On va aller jeter un petit coup d'œil. Hop. Voilà. Il me semble de mémoire qu'on peut accéder à une pièce. Voilà, déjà. Et on a notre premier petit compagnon. Et la lumière fut. Méfiez-vous de la lumière en général. D'accord. Alors, on a un truc là. On a un premier petit compagnon qui est là. Fait un gros câlin. Voilà. Et normalement, après, quand on leur fait des câlins, ils nous suivent. Allez, viens, copain. Viens, viens vers la lumière. Bon live, à plus, Nat. Des gros bisous à toi, ma petite Nat. Toujours fidèle au poste. Allez. Let's go, comme on dirait. Ah, il faut vraiment que je me rappelle des touches. Ah oui, hop. Voilà. Là, faut pas perdre de temps, faut courir. Je crois qu'on fatigue à un moment. Donc, faut doser. Voilà. Parce qu'elle nous poursuit. Et hop! Ah oui, je crois qu'il y en a qui tombent là. Si on perd trop de temps. Ok. J'ai fait de la merde. Ah la 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 di 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 ah bah non bah voilà, je pensais qu'on pouvait au moins marcher dessus. Bah non, on peut pas marcher dessus.
C'est non, le jeu te dit non. Allez. Allez, let's go. Vous m'aurez pas! On a une petite sauvegarde. Alors normalement il faut monter. Il m'a foutu les boules. Ika, tu prends des gros risques là. C'est vrai que j'avais oublié certaines mécaniques de ce jeu. Mais Little Nightmare reste vraiment un jeu extraordinaire. Voilà, il faut marcher tout doucement. L'ambiance, même l'ambiance générale du jeu, hein, est vraiment très très cool. Alors, hop, il fallait aller par là. Six là un peu plus, tu finissais tout en bas. Ok, comme ça, comme ça. Tac. Voilà. Cours, Forest, cours! Hop là! Le skill est présent. On a encore quelques bons souvenirs. D'accord, donc il y a un trou là-bas. Il me semble que justement. Il y a un truc là. Il n'y avait pas quelque chose à récupérer. C'est vrai qu'à chaque fois, malheureusement, on est obligé de d'éteindre notre lumière quand on. Quand on veut faire quelque chose de particulier. Non mais regardez-moi ces plans de ouf. Re ma petite Eden! J'espère que tu vas bien. Donc du coup, ça part sur Little Nightmare. Je me douche tout en regardant le live. Tu es très très fort. Je ne sais pas comment tu fais pour te doucher en même temps que tu regardes le live. C'est peut-être ton super pouvoir. Allez, on y retourne une fois que j'ai fini ma clope, évidemment, parce que là je suis au café. Hop. J'avais beaucoup beaucoup aimé Little Nightmare 1. J'ai encore plus apprécié l'Antre des Secrets, qui est donc qui est la suite, enfin plus un préquel de Little Nightmare. Ouh là, j'ai quelques petits ralentissements là, c'est un peu dégueulasse, non? On n'avait pas dit un jeu de chill, mais c'est un jeu de chill. Enfin, moi je trouve qu'il est plutôt chier. Oh là, j'ai quelques petits ralentissements là, c'est particulier. C'est particulier. J'aurais pas une mise à jour, attendez, qui serait en train de se faire toute seule là dans un coin, histoire de. Hop, je vérifie ça tout de suite. Non, tout est ok de ce côté-là, d'accord. Bon, ça vient probablement du jeu, donc on va faire un petit truc. Hop, paramètres. Plein écran, oui, résolution, qualité graphique, avancée. Avancée. Ah, c'est ça, voilà. Pas d'anticrénelage. Voilà. En texture. Voilà. Voilà. Ça devrait aller mieux. Du moins, j'espère. Ah, voilà. Là, ça va mieux. Là, on est bien.
les petites lumières. Hop. Voilà, toujours fermer la porte. Donc bon, on sait qu'on a des petites énigmes comme ça à faire. Allez. Je vais fonctionner au souvenir. Hein. Voilà. Alors je crois de mémoire, c'est pour voilà, c'est pour éviter de se prendre une décharge électrique. Little Nightmare, il y a des moments oppressants, je pense, lol. Mais c'est pas Castlevania encore. Il y a des moments qui dans Little Nightmare ouais, vous mettent la pression de ouf. Hein. Allez, hop. Hop. Voilà. On court, on court, on court, on court, on court. La petite balle qui roule tout seul, c'est normal. Hop là. La petite boîte à musique. Je sais pas. Allez, elle est tombée là. Oh là là là, cette musique. Alors qu'on a un décor hyper glauque, vraiment. Alors, je me souviens plus forcément où sont dissimulés hein, tous les secrets du jeu. Il y avait un interrupteur sur lequel justement interagir. Normalement, il est dans le coin. Ce qui est fou, c'est qu'on peut interagir avec carrément tout, quoi. Où est-ce qu'il est déjà? Ah oui, c'est vrai, il faut monter. Ah! J'ai tout foutu en l'air, moi. Hop. Et les petites traces de main qu'on peut voir. Hop. Voilà, normalement, en passant ici. Je crois qu'on peut aller aussi de l'autre côté. De mémoire. Alors, on va faire ça, on va essayer. Hop. Allez, on court, on court, on court, on court, on court. Il y a un problème, docteur. Attends. Ah, je me rappelle pas. C'est difficile de se rappeler des touches. Voilà, c'est pour sauter. Ok. Allez, hop. Allez, cours, Forest. Là ici, je me rappelle, toutes les portes étaient fermées. Voilà. Sauf une, je crois. Mais je crois qu'elle s'ouvre pas comme ça. Les petites particules en suspension. Oh là là.
Non, t'es parti, elle s'est dit, c'est moins marrant qu'avec Castlevania, il y aura moins de rage. Ça, c'est pas sûr. C'est pas sûr, ma petite Eden. Parce que, comme tu l'as souligné, il y a des passages du jeu qui sont relativement vénères. Là, on peut voir, hein, les enfants, justement, qui ont été transformé en pierre par l'œil. Je suis un connard. Ça commence bien. Ça commence très très fort. Je crois qu'il faut contourner. Il faut passer de l'autre côté. Alors le jeu est particulièrement sombre, hein, vous vous en doutez. En tout cas, j'espère que le son du jeu, ça va pour vous, que vous entendez pleinement. Pleinement les sons, l'ambiance. Wouhou! Est-ce que j'ai pas un petit chapeau? Paramètres. Je crois que le petit chapeau. Ah, attends! Y a pas une touche normalement pour. Je me souviens plus comment on change les petits chapeaux. Ok. Ok. Voilà, je me suis un peu précipité. Ouais. J'ai failli me coincer tout seul. Allez. Voilà. Là, il faut monter donc là-dessus. On allume le petit point de sauvegarde. Normalement, il faut escalader, mais il y a un copain là à récupérer. Je crois que ouais, c'est en redescendant de l'autre côté. Ok, hop. Allez. Hop là. Ça revient très vite, hein. Ça revient très 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 vite. Ça commence bien, lol. Le son est ok, nous dit notre petite Nat. Parfait. Hop. Est-ce qu'on peut pas aller par là? Si. Voilà, donc normalement, on peut. Ça va, j'ai cru que je m'étais zigouillé. Voilà, et là on découvre un copain. Viens, je vais te faire un câlin. Voilà, je te fais un gros câlin, tu es mon copain. Et on peut voir donc qu'il est devant une petite peinture, hein, qui représente, eh bien, ses compagnons. Alors que, bon, on voit tout de suite ce qu'il y a sur le sol, c'est pas du ketchup. L'œil qui est là. Je me souviens plus de ce qu'il fallait faire. Je crois qu'il faut le lancer. Viens ici, toi. Désolé, copain. Je me recule. Allez, vas-y, vole! Non, tu voles pas. En fait. Y a pas un truc à faire ici? Je crois que c'était juste pour découvrir un secret. Ah! Les culs. Allez, on sort de là. Fais des trucs, voilà, c'est pas les meilleures idées du monde. Alors oui, on va
C'est pas moi, c'est moi, Eden. Ben oui, parce que j'ai dit Nat, je suis un connard. Vraiment, je suis le pire. Je crois qu'on peut aller par là. Il y a un truc à faire, je crois, de mémoire dans le coin. Oui, voilà. Hop. Alors que là, on peut voir des petits dessins et cette matière organique qui est toujours là. Hein. Il y a énormément de Easter eggs dans ce jeu. Et si on reste trop longtemps près du lit là, en général, ça tourne pas bien. Donc normalement, ok, on a fait ça. Ça sert pas à grand chose. Allez. Je crois qu'on peut se faufiler. Alors qu'on voit qu'il y a des enfants hein, dans les lits. Alors, je me rappelle plus s'il fonctionne. Je crois qu'il fonctionne au son. De mémoire. Je crois qu'il fonctionne au son. Alors qu'on voit tous ces enfants là qui sont. En train de dormir. Et on connaît hein, le sort des enfants. Les enfants, donc, en fait, sont de la nourriture. Ils sont consommés par les adultes. Hop. Dégage-toi. Voilà. Hop. Hop. On monte tranquillement. On n'est pas trop emmerdé au début par les vilains. Voilà. Hop! Et c'est toujours cette petite musique de fond alors qu'on accueille notre ami Thanos. On a terminé Thanos Castlevania, hein. Ça y est, c'est fait. Hein. Je vais pas dire que on n'a pas un petit peu ragé. Hein. Ce serait mentir, je pense. Mais en tout cas, voilà, on a terminé Castlevania, Super Castlevania 4. Voilà. Et je me suis dit, ça pourrait être sympa, voilà, de vous proposer un petit live où bah, vous choisissez le jeu. Et le jeu choisi a été Little Nightmare. Donc du coup, vu qu'on ne l'avait jamais fait en live, bah, j'ai eu envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, on avance tranquille. Voilà, donc là, on descend tranquille. Je vais remettre, tiens, au passage, hop, voilà, le petit cadre, le petit, non, le chat, je vais peut-être pas le mettre. Voilà, hop, hop, voilà, on est bien comme ça, là, on est bien. Ok. Allez, let's go. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce détail-là. Là, c'est les premiers signes, en fait, que Six bah, a faim. Et ça va pas aller en s'arrangeant du tout. Dans ce jeu, vraiment, tout est bon, hein. La réalisation, l'ADA, le gameplay. L'histoire en elle-même. Alors, petite Easter eggs, le tout premier. On reste dans le thème cauchemar, mais complètement, Eden. Complètement. Le personnage que vous voyez là, c'est le personnage en fait qui. Eh bien. Hop, on va ramasser ça.
on va manger. C'est le personnage, en fait, que l'on interprète dans Les Secrets de l'Antre. Ce petit garçon qui, en fait... Alors, attention, gros spoil, pour ceux qui n'ont jamais fait le jeu. Ce petit garçon qui est juste devant vous n'est rien d'autre que l'homme au chapeau. Il est un personnage extrêmement important et qui se dévoile à nous donc dans le Little Nightmare numéro 2. Et on comprend avec l'acheminement de celui-ci, plus du DLC, plus de Little Nightmare 2, on comprend le cheminement qui a fait qu'en fait il est devenu cette personne-là. Et vous en doutez bien, Six n'y est pas étrangère. Allez, let's go. Bon, en tout cas, j'espère que tu vas bien, mon petit Arnaud. J'espère que tu t'es remis de la volée que t'as pris hier par Astéorédia. La dernière fois, je vous ai vu jouer à Edge of Empire. J'ai eu envie de vous rejoindre. Mais je me suis dit, je vais pas vous déranger. Alors, voilà, il faut escalader. Hop. Tac, tac. Hop, voilà, on gruge un peu. Hop là. Voilà, on escalade. On va mettre la petite sauvegarde qui va bien. Voilà, si tu veux bien allumer la... Voilà, merci. La petite lumière. Là, il faut sauter, prendre de l'élan et hop! Ne pas se louper. Je crois qu'il faut, voilà, fallait escalader. Même l'animation hein, du jeu est vraiment très très cool. Non, je m'en suis parmi. J'avoue Eden, mais avec un gameplay moins exigeant. Oui, quoique il y a des moments où le jeu hein, peut littéralement te mettre un pied-bouche. Hein. Alors on va redescendre un peu parce qu'on est trop haut. Voilà, normalement on est bon là. Voilà, on prend l'échelle. Normalement de... Ah non, c'est vrai, il faut monter sur les casiers. Mais Little Nightmare, c'est une aventure à part entière. C'est aussi de temps en temps ce qu'on appelle du die and retry. Hop, voilà. Oups, la perspective. Oui, Thanos, Ika a besoin pour son petit cœur. Ah bah je, oui, j'aurais pu vous proposer hein, et vous imposer un jeu peut-être un peu plus burné. J'allais partir sur un jeu de gestion au début. Mais c'est vrai que la proposition de multi-univers était alléchante. Était alléchante, clairement. Est-ce qu'on peut pousser ça? Oui. Attention en dessous! C'est haut. C'est très très haut. Allez, hop. Tac, tac, hop. Ce qui est fou surtout, c'est que ça se joue au joystick. Donc... le joystick, des fois, dans certaines circonstances, n'est pas forcément le mieux adapté. Alors, tac. Hop, hop. Voilà, on se met là. Hop, on court. On monte. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut regarder partout autour de nous. Encore un petit peu plus haut, hop, hop là, voilà.
Il va falloir évidemment hein, que je me souvienne de toutes les énigmes. Ce qui ne va pas être une chose facile. Je crois qu'il faut l'emmener de l'autre côté. Oui, bien joué Ika, bien joué. Magnifique. Magnifique, t'as encore de la mémoire. T'es pas tout à fait sénile. Et normalement, c'est pour éteindre voilà, le courant. Et il me semble en plus que dans un des tiroirs, il y a un petit bonhomme, je crois. Les barreaux, il faut faire tomber je crois le poids. Il n'y a pas une poupée, non, je crois qu'il y avait une poupée qui était cachée dans le, il me semblait que de mémoire il y avait une poupée cachée dans le décor, hein, quoi. Ah oui, il y en a un petit là, voilà, je t'ai sauvé, va, cours pour ta liberté. Allez, on fait tomber le contrepoids. Voilà. La corde infinie. Effectivement, Thanos a raison, hein. Le boss dans Castlevania 4 n'est pas forcément le plus simple. Oh putain. Oh là là! Barrez-vous! Vite! Voilà, on peut passer maintenant la grille. On peut apercevoir des enfants en cage. On les voit pas très très bien, mais ils sont juste au-dessus de nous. On aperçoit tout juste les silhouettes, hein, vraiment. Allez, let's go. Donc là, pareil, même principe que tout à l'heure. Alors, pour ceux qui connaissent pas, hein, bon, j'ai un peu spoilé comme un gros sac tout à l'heure. Se servir donc du chariot qui est là. Alors pourquoi il bouge comme ça tout seul? Bah c'est très simple, c'est que en fait on est sur un bateau. Et donc on peut voir hein, que si vous rentrez dans la lumière, vous êtes transformé en statue de sel. Ok, bon, ça avance plutôt pas mal, hein, ça avance plutôt vite. Voyage, voyage. J'ai envie de dire qu'avec nous, Six va tomber quelques fois. Hein. C'est pas impossible non plus. Allez, en mode YOLO. J'ai pas couru assez vite, excusez-moi monsieur, dame. C'est bon. C'est le 1, 2, 3 soleil, mais mortel. Un peu Squid Game, tu vois. C'est si tu te trompes, t'es mort. Allez.
là j'ai freestyle. Freestyle, vraiment. Le mec n'a aucun, hein, aucun état d'âme à littéralement faire mourir Six. Petit personnage que j'aime beaucoup en plus. J'aime beaucoup son chara-design. Donc un jeu hein, développé par Bandai Namco qui là-dessus a eu clairement le nez fin. Oh, il a voulu me dribbler. Allez hop. Ok, donc on fait attention où on va. Voilà. Là, il faut pas perdre de temps. Allez. Hop là. Parce que sinon... Sinon, c'est la chute. Ah! Là, j'ai. Ah bah. Y'a des copains! Attendez-moi! Attendez-moi! Ça, c'est fait. Et Little Nightmare est un jeu qui peut se speedrunner, hein. Elle a bon dos, la perspective, nous dit Thanos. Oh bah vous me connaissez maintenant, hein. Si je peux mettre la faute sur, sur autre chose que moi-même, je vais pas me gratter. Hein. Bon c'est sûr que le gameplay est un peu plus pointu que celui de Castlevania, hein, on va pas se mentir. On peut se permettre beaucoup plus de choses. Mais là c'est pareil, attention à la profondeur. Parce que si on déborde un peu, bah, les escaliers... c'est la chute. C'est la chute. Alors, on va aller voir déjà en premier lieu par là. Qu'est-ce qu'il y a par là déjà? Là, c'est le bureau. M'a fait peur. Voilà, petite sauvegarde, c'était important. Faudra ouvrir la porte, ramener la chaise, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça, je crois qu'il faut ramener la chaise. Hop. Allez. J'ai réussi à me coincer. Je suis un génie. Voilà, je crois qu'il faut la mettre devant là. On va aller voir quand même à l'étage. On m'a fait flipper. Ok. Ok. Y a pas un petit bonhomme qui est caché, je sais pas, je vais aller voir l'étage avant. On fait attention en courant. Ok. Tape notre meilleur sprint. Qu'est-ce que tu fais, Six? Voilà, merci. Hop, hop. Ah oui, la fameuse chambre. La fameuse chambre où nombreuses ont été les chutes. Alors, que je me souvienne.
Normalement, ici, il y a un petit passage secret. Voilà. Je crois qu'il y a un truc derrière. Il y a un moment dans le jeu où il y a des objets qui sont planqués derrière les portes. Hop, le petit pot. Il n'y a pas un truc dans le pot? Et ben non. Ok, il faudra ramener une clé. Ok. Donc, hop, hop. On fait ça, je crois. Ah, je suis un peu loin quand même. Un peu loin quand même, le gars. Faut pas exagérer non plus. Ok. Attends, il n'y a pas quelque chose là-dedans? Voilà, le lit. Ensuite, du lit, on monte là-dessus. La clé est sur la table. Et c'est les portraits qui m'ont toujours impressionné. Ok. Oups. Famsmo, salut, comment ça va? Salut Ika, comment vas-tu? J'ai dû le voir sur Instant Gaming, je voulais me le prendre, mais chaud d'être déçu du jeu. Non, franchement, c'est un très 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 bon jeu. Je vois que tu as sorti la casquette aujourd'hui. Oui, petit rappel, c'est dans un mois tout pile, à compter de ce jour, hein, un petit peu moins d'un mois même, où le Gamescream Heroes donc, eh bien, va revenir en force. Et j'espère évidemment que vous serez au rendez-vous. Je vous rappelle, hein, du 27 au 30 octobre, diffusé déjà sur la chaîne, hein, sur cette chaîne là, mais également sur la chaîne principale du Gamescream Heroes, ainsi que chez eh bien, nos streameuses et nos streamers qui participent à cet événement. Allez, hop là, alors vous allez me dire, mais pourquoi Six elle a un sac sur la tête? Parce que je crois de mémoire qu'au début elle a juste un ciré. Mais je crois que quand vous finissez le jeu, vous avez la possibilité d'avoir des petits chapeaux différents. Est-ce qu'il n'y a pas un délire comme ça, là? Il faut aller sur le côté. Non. Attends une seconde. Non, c'est vachement trop haut. C'est vachement trop haut. Mais la démesure, en fait, des meubles et des autres personnages... C'est un truc de zinzin. Va falloir que je me rappelle. Parce que ça me semble haut quand même pour sauter. Ah bah non. Bah non en fait. J'ai bien failli faire de la merde. Je suis dans un évier. Voilà, je... Apparemment, je ne suis pas tout seul, j'ai un petit cafard qui... Ah non, c'est de l'eau. Bon, je me suis chibré. Mais on a capté parce que je voulais la petite poupée en haut. Mais je me suis chibré. Voilà. Mes vacances, c'est-à-dire du 27 à 12h30, donc je serai bien présent. Bah écoute, en tout cas, ça me fait énormément plaisir, bah, justement de savoir que... la team Manga Game HD, donc composée de Yanra, de Famsmo et de Kaki Hiruzen, seront présents pour l'événement. Yanra sera donc sur place avec nous et Kaki et Famsmo eh bien, rejoignent l'équipe distancielle. Hop là, la petite poupée. Voilà. Allez, vole! Hop, tiens, ça c'est le PQ de tout à l'heure. Nickel. Alors, on descend là, comme ça. Ah, ça se dégage. Un petit coup de rhum, Thanos peut-être. Voilà.
bouteille, c'est offert. C'est offert par la maison. Allez hop, hop là. Allez, on prend la clé, on va sur le lit. Voilà, on descend. Hop. On récupère la clé. Normalement, on peut, voilà, on peut courir avec un objet dans les mains. Voilà. Ah oui, c'est vrai, on peut pas courir et sauter par contre. Ça, c'est des petites mécaniques aussi qui à des moments du jeu, bah, vont être essentielles. Ah, vous vous dites, ah, mais à quoi ça sert ce petit truc? C'est un leurre. Mais qui va servir aussi à ouvrir la porte. L'appareil, il va falloir le récupérer. Voilà. J'ai encore des bons souvenirs. J'ai encore des bons souvenirs. Et normalement, si je dis pas de conneries, on doit le lancer là-dessus et aller se planquer là. Si je dis pas de conneries, de mémoire. Ça descend, ça descend. Alors moi je prendrais un jus de fruits, nous dit Eden. Bah écoute, ce serait avec plaisir évidemment. J'ai acheté un micro exprès pour le GSH, je le reçois semaine prochaine. Nickel, bah c'est parfait. Parce qu'effectivement il va falloir communiquer hein, sur le Discord et sur les logs qui vous seront donc attribués. Et effectivement avoir un micro c'est important. Allez, on court. Petit raton. Oh putain. Allez, courage, Six. Et ce thème musical du jeu m'a beaucoup marqué. On va faire la petite sauvegarde ici. Voilà. J'ai énormément écouté l'OST de comment ça s'appelle de ce jeu, même celle du 2. Là, ce qu'on entend, là. Les petites voix des enfants donc, qui fredonnent un petit air là. Et là, vous doutez bien, vous savez ce qui va se passer. Vous vous en doutez bien. Alors, il n'y a pas un truc dans le coin là. C'est pas un morceau de barbac ça? Ah, il faut que je me dépêche, sinon je vais mourir. Et donc, effectivement, les enfants sont prisonniers, sont affamés, mais ils sont aussi nourris. Attention, regardez bien. Et hop là, capturé. Alors que on est enfermé du coup avec d'autres enfants. On se lève, on doit faire tomber la cage normalement. Allez! Liberté! Ah, j'aime bien parce qu'on se sert d'une cage pour la déplacer et on a malheureusement des enfants hein, qui sont dedans. Alors normalement voilà, il faut la mettre par ici. On va vite faire regarder s'il n'y a pas de petits
secret caché. On va aller voir de l'autre côté, mais normalement je crois que de l'autre côté on peut pas y accéder encore. Normalement de mémoire, ouais c'est bien ça. Allez. Hop. Alors là il faut se balancer. Les mécaniques hein, de Little Nightmares sont vraiment très très cool. Allez, à la une, à la deux, hop, voilà. Toujours utiliser le petit briquet pour voir s'il n'y a pas de choses dissimulées. Ça aussi, j'avais un peu galéré à trouver la solution. Ouf. Allez, une petite bougie là. Alors que c'est très très glauque. Hein. On a carrément une guillotine. Elle n'a pas été nettoyée, hein, je vous le dis tout de suite. Alors ça, c'est pas là pour rien. Alors, il faut se déplacer tout doucement. Même les créatures en elles-mêmes hein, sont particulièrement horribles. Donc là, pareil, normalement, on se déplace comme ça. Doucement pour ne pas faire grincer le bois. Je crois qu'il y a un endroit pour se cacher. Oui. Ah ah. T'es en live jusqu'à quelle heure mon lapin? Bah ça dépend. Pourquoi donc? Dis-moi tout. Dis-moi tout mon petit Max. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou ça m'étonnerait pas. Hein, j'en suis fortement capable. Alors hop. On se déplace tout doucement. Je me rappelle Allez, on y va tranquille. Voilà les enfants qui malheureusement sont prisonniers et qui ne savent pas vraiment à quelle sauce ils vont être mangés. Je crois l'un des pires niveaux, c'est celui de la cuisine. Ah ! Je me suis fait choper. Non, non, juste départ pour le GSH. On va même pouvoir partir plus tôt. D'accord. Rappelle-moi de te l'expliquer quand on s'appelle. Bah écoute, je t'appellerai tout à l'heure parce que j'irai me chercher un petit truc à becter pour ce soir. Parce que je vais pas me coucher trop tard. Malheureusement, demain, je suis obligé
de me lever de très bonne heure. Donc c'est pour ça le. On a lancé un petit live chill, vite fait. Mais évidemment, on fera l'aventure complète hein, de Little Nightmares parce que c'est un jeu que j'adore. C'est un jeu que j'adore et je pense même hein, qu'on les fera tous d'une traite. Enfin, quand je dis d'une traite, vous m'avez compris. Ah, il faut juste que j'essaie de me rappeler. Alors, cette planche-là. Il faut y aller tout doucement. Non, 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 non. Mets tes doigts dans ton nez. Mets tes doigts dans ton nez. T'es aveugle. Comment tu m'as vu? Il m'a senti, le saligo. Il m'a senti. Hop là. Le petit chlouc de café qui va bien. Ce que je ferai évidemment, c'est que je t'appellerai quand je partirai. Alors normalement, on peut sauter comme ça, voilà, puisque sur le tissu, on fait pas de bruit. S'il faut pas passer en dessous de la table, mais je crois que non. Je crois qu'il faut qu'on attende qu'il se barre. Voilà, c'est ça. Vas-y, casse-toi. Eh ouais, tu peux pas m'attraper. Ah, c'est con ça. Hein. Quoi? Bon, bah en fait, si. En fait, si. J'avais zappé ce petit détail. Je pensais qu'on pouvait le troller, mais en fait, non. En fait, non, c'est lui qui nous a troll. Est-ce qu'on peut oui, on peut faire des sauts de grenouille. Ah oui, bah oui, évidemment. Voilà, Ika, les souvenirs. Normalement, je peux courir et sauter sur le. Sur ce truc-là, là. Voilà, nickel. Parfait, Ika. Et donc, il fallait mettre la manivelle pour ouvrir la trappe, je crois. Un truc du genre. Voilà, tout dans le feutré.
j'avais oublié, parce que je sais plus s'il faut se dépêcher de tourner la manivelle ou un truc comme ça. Je me souviens plus vraiment. Ça va évidemment me revenir. Je vais faire un petit truc, hein, c'est que je vais eh bien, couper la cam le temps de faire ma petite clope tranquille. Alors, hein, lors du GSH, tout ça, il n'y aura pas. Calme-toi, Jean-Eudes, calme-toi. Hop, allez, je coupe vite fait la cam, voilà, tac, j'enlève le cadre, j'enlève la petite périphérique de capture, je me remets sur le jeu, voilà. Hop là. D'ailleurs, il faut que je passe un petit coup de fil à nos amis de chez Horus, voire à essayer de négocier quelque chose avec eux qui pourrait être relativement cool. Enfin, tout du moins, je l'espère. Ça pourrait être sympathique. Je sais plus ce qu'ouvre la trappe. Alors, je sais que je crois qu'il faut se faufiler dans la trappe de mémoire. Je crois. Hein. Mais je sais plus s'il faut tourner le joystick comme un psychopathe. Dis donc. Calme-toi. Ah oui, je me souviens, je me souviens. Ah non, c'est pas dans celui-ci. Il y a un passage comme ça, c'est dans les secrets de l'antre. Il est horrible. Il est horrible, pourquoi? Parce que vous avez une espèce de créature, on sait pas trop ce que c'est, qui se trouve dans l'eau. Et vraiment, ça vous met un espèce de coup de pression. Ah bah oui, voilà. Comme ici. Comme ici. Ah, par contre, je me rappelle plus trop comment ça se passe. Allez, hop. Pas sauter en plus. Ah oui, c'est vrai. Let's go. La pression, 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 la pression. Comme dirait Matt, la pression, on la gère, mais on peut aussi la boire. Lol. Est-ce que ça marche? Et là, je serais mort bêtement. J'avoue, ça aurait été tellement drôle, tué par une tapette à souris. You dead. Je crois me rappeler un peu de ce qu'il faut faire. Tu cours bien vite, je trouve. Vraiment, tu cours même trop vite. Voilà, je suis caché.
cache et... Ah, il fait des trucs chelous le jeu quand même, hein. Il fait des trucs chelous. Moi il me fait, oh là là là, même les bruits et tout qu'ils font, c'est horrible. On a nos petits camarades qui nous ont littéralement sauvé la vie. Allez, on y retourne. Voilà. Nouveau petit chapitrage. Alors on a le petit truc ici. Voyons voir. C'est moi ou t'en chies un peu là? Peut-être le tirer peut-être. Quoi? Ah oui, bah oui. Et hop là. Alors normalement, il y a une petite poupée qui est cachée quelque part dans ce petit truc là. Comme ça, voilà, comme ça. On ne sait pas de... Ah bah voilà. Non mais je suis censé la casser, hein. Voilà, hop. Hop là. Grimper après ici. Même les poupées, hein, sont particulièrement creepy. J'ai l'impression qu'il y a des micro ralentissements. C'est moi ou je vais faire quand même un truc. Tac. Voilà. C'est mieux. Je vais faire quelques tâches. Je me souvenais pas que le jeu était si gourmand. Je me souvenais pas. Qualité graphique. Élevé. Avancé. Alors hop. Voilà. Flou lumineux. Hop. On s'en fout un peu. Post-traitement, on s'en fout. Ça, on s'en fout un peu. Allez. Et voilà. Ah bah voilà. Voilà. Même l'animation de la flamme, le briquet, tout ça, c'est un truc de zinzin. Alors normalement, je crois qu'il faut qu'on monte quelque part par là. Je crois que c'est là. Je crois que c'est ici. Ouais.
faut prendre le petit singe qui est là. Normalement, se mettre là. Faire. Voilà, attendre un peu. Voilà, il va voir ce qui se passe. Ah, je me suis foiré. Je me suis foiré, Axam. Allez, on va recommencer tranquillou. Ika, tu devais pas faire quelque chose? Bah si, je voulais me rouler une clope avec mon café, mais du coup, comme je suis un peu un connard, j'oublie tout à l'heure parce que je joue parce que je suis tellement dans le jeu là. D'ailleurs, bah, ma petite note, si tu vois la rediffusion, donc mardi, je le répète, un live spécial anniversaire. Et évidemment, j'aimerais bien pouvoir t'avoir en vocal pendant un petit moment sur le live, histoire eh bien, de discuter un petit peu avec toi et d'avoir notre petite modératrice eh bien, qui vient nous faire un petit coucou en live. Ça serait plutôt cool. Et même, pourquoi pas lui proposer peut-être un petit jeu à faire avec elle. Ça pourrait être sympa. Ou alors, je vous propose un truc. C'est qu'on se fait une petite soirée avec les plus fidèles d'entre vous. On se fait un petit Gartic Phone ou un petit Scribillo, tous ensemble. Est-ce que ça, c'est une idée qui pourrait vous plaire? Alors je vais le marquer, je passerai un petit message sur le Discord. Mais un petit Scribillo, ça pourrait être sympa, surtout à plusieurs. Voilà, pendant une petite heure ou deux, tous ensemble pour fêter l'anniversaire de votre humble serviteur. Alors évidemment, je vous laisse faire le calcul. Hein, je suis né en 1981, le 3 octobre. Je vous laisse faire le calcul. Non, ça ne fait pas 24 ans. J'aurais bien aimé, j'avoue. Hop là. Rien que l'ambiance du jeu. Elle est juste incroyable. Incroyable cette ambiance. Alors qu'on l'entend respirer avec cette respiration un peu saccadée. Et puis même la DA du jeu, les créatures entre guillemets, c'est vraiment sorti. Hein, bah, Little Nightmare, un petit cauchemar. C'est littéralement sorti. Je pense que quand on est enfant, on a souvent en premier lieu la peur du noir. Vous savez, cette peur un peu panique du monstre sous le lit ou du monstre dans le placard. Quand on est petit, on est effrayé par beaucoup de choses. C'est souvent des choses qu'on ne comprend pas. Même étant adulte, j'ai envie de vous dire. Mais il y a ce côté justement où Little Nightmare, de quoi ça parle? De quoi ça parle? Bah forcément, vous en doutez, hein, y a une référence au cauchemar, mais il y a aussi cette référence à la maltraitance, qui est un sujet qui est très très peu évoqué dans le monde du jeu vidéo. On a pu voir aussi pas mal de jeux, c'est Life in Strange, je crois, qui aborde lui aussi. Hein, ce sont des jeux que j'ai adoré regarder chez Yoplay Star et chez Théo Ardo, parce que ce sont des jeux qui abordent des sujets qu'on n'a pas l'habitude de traiter. Et il faut quand même avoir le cran hein, de mettre des jeux comme ça en route hein, et traiter de sujets qui, des fois, sont un peu surprenants. Allez, on est reparti.
Ah. Je me demande s'il n'y a pas un endroit où on peut se cacher. Ou s'il faut pas lui jeter une autre peluche. Dans un autre sens. C'est pas impossible pour le distraire. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Oh. Voilà, tu m'as pas vu. J'ai rien dit. Ce mob a l'ultra instinct, hein, clairement. Il a l'ultra instinct. Allez. Je suis vraiment le roi des cons. Au secours, est-ce que c'est moi? Je voudrais vous demander si vous voulez pas me foutre la paix à un moment quand même. Est-ce qu'il y a un moment tu te tires? Juste pour savoir comme ça. Oh, j'y ai cru. La feinte, j'y ai cru. J'y ai cru. Bon, y a des passages des fois comme ça où je me souviens plus trop. Mais on a compris ce qu'il fallait faire. Mais c'est juste comment. Comment ne pas se louper? Attendez une seconde. Je suis pas en train de faire de la merde depuis tout à l'heure. Attends une seconde. Sérieusement, le petit singe là. Vite, 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 vite. Voilà. Allez, hop, on fout le camp. Voilà. Quand je vous disais que des fois c'est juste un petit concours d'enchaînement. Hein. Souvenez-vous aussi dans ce Little Nightmare 2, le personnage, donc la maîtresse des Cole. Niveau discrétion, on a vu mieux quand même. On a vu mieux. Je vais me faire poutrer. Il faut que je prenne la godasse. Voilà, hop.
Allez, bisous. Oh, ce passage. Oh, je me souviens. Je me souviens de ce passage. Normalement, c'est ça. Ensuite, c'est ça. Voilà, on monte. Ah, un petit poudoum, poudoum. D'ailleurs, prochainement, je vous ferai aussi un live découverte sur, sur le jeu d'un, d'un ami qui développe son petit jeu, un petit RPG. Et j'ai vraiment hâte de vous le faire découvrir. Puisqu'il il y met beaucoup, beaucoup de cœur à cette... oui, d'accord. Il y met beaucoup de cœur, en tout cas. Et là, on entend des notifications de Discord. Allez, normalement, tant qu'on est sur le tapis... va bien. Oui, je me rappelle où est l'objet. Voilà, avec le petit singe pour faire diversion. Voilà. On a vu mieux quand même. Pourquoi tu... Voilà. Allez, monte, monte, monte. Hop, normalement on va chercher la clé de l'autre côté. Truc aussi avec la télé, je crois, de mémoire. Je crois qu'il y a un truc avec la valise. Il y a un truc avec la valise, je crois. Que c'est. Je me souviens plus ce que c'est. Je crois qu'il faut allumer la télé. Ça va l'attirer, je crois. Sauvegarde qui était là, on aurait pu sauvegarder aussi. Parce que dès que la musique va s'arrêter, il va nous entendre.
Hop là. L'angoisse de ce jeu. Incroyable. Allez. Quoi? Vraiment? Vraiment? Ah ça, on reprend là. Ah oui, c'est vrai. Putain, je suis con. J'ai voulu aller trop vite. Hop. Voilà. On se met là, derrière. On pousse. Voilà. Pas plus simple comme ça. Allez, pousse. Ouais, il faut le ramener jusqu'à la butée pour pouvoir ouvrir la porte. Allez, vas-y ma petite Six, tire. Voilà, hop. Easy. Ah ah. Ça, des fois il faut pas se précipiter pour pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous, et des fois le fait que certains éléments du décor bougent peut attirer votre attention sur justement ce que vous devez faire. Oh, t'as eu chaud. Oh, t'as eu chaud. Bon, ne pas sauter comme un véritable mongol. Ah, ce serait un peu dommage. Voilà. Hop. Attendre que la porte s'ouvre, tout simplement. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas un truc derrière cette porte. Non, bah non, on peut pas la fermer, on passe en dessous. Ok, let's go! Voilà. C'est pareil, hein, toutes les petites bougies. Il y a des choses qu'on peut faire. Hein. Petite bougie, les petites. Ah là là, nique toi. Oh merde. Oh merde, je me suis fait choper. Je crois qu'il faut tracer d'un coup. Je crois. Hop. Ah ah. Non, faut attendre, Ika. Silverwell, et coucou Ika, et bonsoir à tous. Salut mon petit Silverwell, comment vas-tu, mon petit lapeng. Je vous rappelle, un Silverwell qui sera présent aussi au Game Stream Heroes cette année. Le plaisir de recevoir des membres de la commu, de pouvoir les avoir avec nous en vrai, en chair et en os, et de partager ce moment avec eux. Bon, il y a un moment, il va falloir enlever ta main. Hein. Ça y est, c'est bon, t'as fini? Je crois qu'il faut passer doucement. Demander le petit ratatouille là qu'on a vu passer. Alors hop, ouai 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 ouai. Non non non, nous dit le jeu,
C'est pas comme ça qu'il faut faire. Ouah, t'es sérieux? À ce point-là? Oh, je viens de me prendre un espèce de pied-bouche, là, instant. Oh oui, trop hâte, nous dit Silver. Mais oui, mais également. Également. Hop là! Hé. Tu me niqueras pas. Ouh là 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 là. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. Il faut casser le truc en fait pour que ça lui coince les bras. Mais il y a un pattern, je crois. Quoi? Oh lui, eh. Ouah, l'autre. Waouh. Ultra instinct, waouh. Je me souviens plus. Je sais que c'est ça, mais... Je passe faire un petit coucou en vitesse, je vais aller manger. Je suis passé faire une bise. Bah, avec plaisir... Bon, putain, quel con. Avec plaisir, mon bon Silver. Bonjour, mon cher Erika, à très bientôt. Un excellent live à toutes et à tous. Merci, mon petit Silver. Oh! Je me demande s'il n'y a pas un truc à... Qu'est-ce que je dis? Non, tu peux pas m'attraper là. Si, tu peux m'attraper, d'accord. Ok. Super jeu d'ailleurs. Je regarderai le super rediff. Des bises, bah des bises, mon bon Silver. À très vite. Ah, mais non! Je voulais pas. Oh, je me suis jeté dans la gueule du loup. Comme un véritable boulet. Allez, voilà, chais, ça t'apprendra. Il est pas content. Il est pas content. Pas de bras. Pas de chocolat. Non mais dis donc. C'est vrai quoi, sans blague. Allez hop, niveau suivant. Coucou ma petite Eden, coucou Silver, Eden toujours présent. Bon là on peut pas faire trop de blagues graveleuses hein, parce que bon, forcément le sujet du jeu ne s'y prête pas. C'est pas comme sur Castlevania hein, où on s'est littéralement déchaîné. Ouais, pas que je fasse du Doom avec vous, hein, parce que ça partira en cacahuète assez rapidement. Doom Eternal, hein, un jeu que... De toute façon, Doom, c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup. Doom Eternal est un excellent titre. Alors, il fallait s'accrocher au crochet. Une petite chaussure rouge. Et hop,
et je m'envole. Ah, là, là. Ah, on arrive dans les cuisines. Oh putain. Au secours. Ah, Eden qui apparemment est hypé de ouf pour que je refasse un Castlevania. J'ai l'impression vraiment, hein, un samedi soir avec Nat. Un samedi soir avec Nat, toi, moi, Nat et Castlevania. J'ai l'impression que tu as vraiment envie de me voir souffrir. Hein. Encore la fin qui nous tiraille. Et là, on vient de l'entendre. Hein. Il y a un rat qui vient littéralement de se prendre dans une tapette à souris. Et là, c'est le moment un peu glauque. Un peu glauque du jeu. Puisque Six va pour la première fois dévorer un être vivant. Et là, tu sens que là, ça y est. Là, elle a basculé. Alors, effectivement, on peut se dire que dans des circonstances telles que celle-ci, quand on est maltraité, pas nourri, qu'on est en captivité, on imagine forcément que on est capable de faire des choses qui, en temps normal, nous seraient potentiellement inconcevables. Mais qu'est-ce qu'on serait capable? La véritable question, c'est de quoi serions-nous capables si on était à la place justement de ces enfants? Et là, on va pas tarder à débouler d'ailleurs dans la cuisine. La cuisine! Allez, hop. Avec le fameux cuistot. Je regardais si sur les étagères il n'y avait pas une poupée. Mais non. Le cuisinier, hein, qui affûte son couteau tranquille. Alors eux, ils sont dégueulasses. Hein. Ils sont vraiment infâmes. Voilà. Cette gueule qu'il a, mais elle est horrible. Je pense que l'être humain est capable de choses lorsque la faim est too much. Bah ouais. On sait, en temps normal, l'être humain est capable de faire beaucoup de choses. Et c'est vrai que... Hop, voilà. On y va étape par étape. Dans des circonstances qui peuvent être particulières, voire extrêmes. Oh, voilà. Donc il nous montre, hein, notre petit camarade nous montre où il faut aller. Voilà, on vient d'attirer l'attention. Et merde. Monte. Voilà, petite sauvegarde. Normalement, je crois qu'il peut pas venir me chercher ici. Nananananer, tu m'attraperas pas. Oui, bah tu peux continuer à faire tes bruits de cochon là. On a du pain.
Tiens, je te molesse à coup de baguette. Alors il faut qu'on ramène la clé. La clé, passe partout la clé. Oh oh. Ah, il a vraiment une gueule, mais fait flipper sa tête. Allez, en escalade, hop. Puis les thèmes qui accompagnent ces passages de jeu, mon dieu quoi. Ah, le chiotte de couple. Tu fais caca, tu fais pipi, je ne sais pas, et toi? Hop, tu vas le savoir dans deux secondes. Hein, quoi? Non, rien. Voilà. Qu'il faut aller quand même dans la pièce là. Voilà, pour récupérer la clé. Pas vu, pas pris. Ah oh là là, mon dieu, cette gueule. Ah, puis alors la photo, merci. Merci la photo. Allez, hop, on embarque ça. Normalement, ça devrait être simple de revenir. Allez, où? Ça, c'est fait. Voilà. Il est où, machin? On va essayer de le dribbler aussi vite que possible. Alors, voyons voir. On s'est trop habitué à manger à notre faim. Je parle des pays industrialisés, bien sûr. Et habitué à faire ses courses, la nourriture est dispo. Rien que de voir la tête du cuistot, je ne mangerai pas dans son resto. Tu m'étonnes. Est-ce qu'on voit évidemment tous les trucs préparés, hein, sont à base soit de poisson, soit d'être humain. Ah oh. Run for your life! Ah bah oui, c'était bien le moment de lâcher la clé, tiens. Dépêche. Allez, allez. Il y avait un truc comme ça aussi avec la maîtresse qui était très très stressante. Dans Little Nightmare, évidemment, vous l'aurez compris. J'ai pas fait des choses bizarres avec ma maîtresse. Allez. S'il te plaît. Allez, vite, monte. Est-ce qu'on peut prendre ça? Tiens, jusqu'à ce que la saucisse... Non, on peut pas.
peux pas le... Dommage, j'aurais mis un coup de hachoir de boucher. Hop, 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 hop. C'est particulièrement dégueulasse. Ah oui, c'est vrai, il faut mettre de la bouffe. Je me rappelle de ça. Faut monter, mettre de la bouffe dans le truc. La maîtresse au long cou. Ah oui, je vois qu'Eden connaît. Tellement horrible ce truc. Ça, c'est du goût de bidoche. Où je m'y connais pas. Voilà, allez. Il y a ça. Voilà. Hop. On se balance. Hop. Voilà. Je crois que les deux suffisent. Voilà, une petite poupée supplémentaire. Hop. Aïe. La petite image qui fait un peu froid dans le dos. Ce petit personnage malheureusement qui est mort de froid. Normalement on a tous les morceaux de viande. Oui, on a tous les morceaux de viande. On peut redescendre. La maîtresse au long cou, titre. Ok, on va pouvoir attraper la saucisse. Titre aussi. Hop. Hop, voilà. Les cordes, c'est pour les faibles. La saucisse, c'est mieux. Titre également. Ah, disons, j'enchaîne ce soir-là. Je suis créatif. Ok, allez, on continue. Il va falloir récupérer une clé. Waï ! Ah, j'ai disparu, hein. David Copperfield. Allez, bisous. Perdu. Il faut passer par là. Ah non, ça c'est juste une cachette. Parce qu'il arrive, vous vous en doutez bien. Reviens. Un sandwich au salami, s'il te plaît, car. Ah, arrête, tu me donnes faim. De toute façon, j'ai très très faim. Je vais pas tarder à aller me chercher à manger. Parce que j'ai un peu de route à faire pour aller me chercher à manger, malheureusement.
Hop, petite bougie. Ok, ça y est. Je me souviens. T'as rien vu, t'as rien entendu. Je suis la nuit, je suis Batman. Titi 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 titi. Alors que tu pourras attraper le couteau puis le planter dans le dos, on n'en parle plus quoi. Dextérité incroyable. Ah oui, il fallait enclencher ça et se cacher. Ok. Comment ça? Tu m'as pas vu, Mito. Un temps de réaction assez long quand même. Ah ouais, t'as réussi à me voir quand même ici, d'accord. Merde. Allez, viens. Essaye de m'attraper, gros machin, là. Hop là. Ah ! Je me suis fait niquer. Trop prétentieux. Qu'est-ce que tu fais ? Ah ah. Si elle s'est restée là, purée, lui crierait dessus. Mais c'est quoi cette cuisine ? Mais tellement. Ça sert la plus de cuisine. Il est dégueulasse. Ah, la clé sur la table. Mais quel con. Oui, bien, vous pouviez pas me le dire. Hein, qu'elle était sur la table. La clé. Attends, on peut pas passer là, tu rigoles. Attends, je suis coincé, vraiment. Pour de vrai. Non, arrête tes conneries. Ah, je suis... Non, s'il te plaît, le jeu, ne me fais pas ça. J'ai réussi à coincer Six. Coincer comment, je ne sais pas. Oh non. Oh l'angoisse. Allez Six, s'il te plaît là, allez. Hop, pas le choix. Oups, bug, ouais. Petit bug, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Est-ce que si je passe devant comme ça, est-ce qu'il va me voir? Bah non. Bah c'est parfait. Allez, viens m'attraper, gros machin. Hop là. Et ouais, j'ai disparu. Donc on sait ce qu'il nous reste à faire. Hein. Facile. Facile, dit-il, hein, mais bon,
Je suis bien capable de me chibrer aussi, hein. Donc, tac. Hop, hop, hop. Allez, bisous. Allez, à plus. Comme dirait l'autre, à plus dans le bus. Allez, faut se dépêcher. Dépêche, 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 dépêche. Ah, je suis deg. Ah, je suis deg. Bon, hop. Allez, regardez, on n'a pas le temps, on ne respecte pas. Bijour. Je ne te respecte pas, je n'ai pas de respect pour toi. Allez, la glissade, hop là. Fais ton petit tour là, tranquille, voilà, va te promener. Ah bon, c'est bon, il est reparti. Allez. Bien joué, Six. Bien joué. Hop. Allez, allez. Ah, puis ce thème musical. Bien aussi. Je suis caché, tu me vois pas. Salut Nounette, comment ça va ma petite Nounette? Est-ce que tu vas bien? Le plaisir de t'accueillir ma petite Nounette. Voilà, il est parti. Hop. Tu me respectes un moment le jeu ou comment ça se passe? Allez hop. Aïe. Allumer le briquet, voilà, vous voyez pourquoi, petite poupée, la poupée vivante, voilà, hop. Je peux pas prendre ce truc là, les bouches chiottes là, non, hop, par là. Ça va ma petite Nounette, comment est-ce que tu vas? Est-ce que ça va bien? Alors là on est dans les cuisines. Et je me rappelle de ce passage où on doit échapper à plusieurs cuisiniers en même temps. Voilà. Faut qu'on fasse du bruit à un endroit pour pouvoir après attirer leur attention. Parce que ici, du coup, on ne peut plus avancer. De la tête, donc on peut pas. Alors, ils sont aussi dégueulasses l'un que l'autre, hein. Ça va, on fait avec. Bon, bah, écoute, si ça va, c'est le plus important. Allez, donc faut les attirer dans un coin. Non, 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 calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Flic et fluc là, tranquille. Mais non, tu me vois pas. Tu me vois pas. Tu peux pas te baisser de toute façon assez bas. Voilà.
Hop. Ne pas marcher sur les morceaux d'assiette. Ah oui. Hop. Tac. Eh, pourquoi tu... Oh, je me suis trompé de touche. Je me suis trompé de touche. Dire que pendant le Gamescom, ils ont annoncé Little Nightmare 3, j'ai hâte, mais tellement, tellement, mon Dieu, quoi. Oh là là, là, ce jeu me fait tellement envie. Et du coup, j'ai pas voulu... J'ai pas voulu me spoil. Alors là, je suis caché, tu veux pas me voir. Allez, casse-toi. Allez, file, espèce de vilain machin là. Monsieur Patate là. Est-ce que moi j'y suis allé dans le bon sens? C'est la bonne question ça. Oui, parce que la sortie c'est par là, donc c'est bien ça. Il faut que j'arrive à retourner de l'autre côté pour pouvoir accéder. Hop, tac, hop, la petite glissade. Voilà, on y va tranquille. Hop, 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 il m'a pas vu. Tout m'a pas vu. Et il faut pouvoir monter donc sur. Hop. Hop, voilà. Tu m'attraperas pas. Oui, bah oui, on est là-haut. Ouais, il s'est téléporté ultra instant. Allez, bisous. Alors, voyure. Oh là 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 là. Je crois qu'il faut lâcher ici. Voilà. Hop. Après courir. Ah ! Oh putain ! Oh putain ! Hop. Loupé. Mais t'es sérieux toi ? Oh, aïe aïe aïe. A chopé. Bah oui, je te fais avoir. Oh, oh. Je me suis fait avoir. Il m'a eu. Cours, Forest, cours. Vous ne m'attraperez pas. Je suis plein de mousse. Allez, bisous hein. Le bonjour à ta daronne. Lol. Allez. Non mais dis donc. Être mignon un petit peu là-haut. Ça enchaîne plutôt bien, je trouve même. C'est là qu'on se rend compte en fait qu'on est dans, je pense, hein, le bas du navire. Et plus ça va, plus on remonte. Hop. Allez, petit escalier. Petite échelle tranquille. Voilà, là on va monter. Je crois, je sais plus si on est à l'intérieur ou à l'extérieur au début. Je sais plus trop. Je me souviens plus, j'ai un peu un trou de mémoire. Voilà. Là on est
Oh là là. Dans le bateau et bah on n'a pas trop le choix en fait de ce qui nous arrive. Hein. On est un peu les victimes du truc. Alors qu'on voit en arrière-plan les personnages hein, embarqués dans ce navire, dans ce truc gigantesque. Les perspectives du jeu sont incroyables hein, avec les effets de lumière, l'ambiance, l'OST, le soundtrack aussi. Je suis sur le site de Ken Stream Heroes. C'est un stream de 73 heures d'affilée ou coupé. Alors, ça va durer pendant 73 heures non-stop. Mais les streameuses et les streamers vont devoir à un moment se relayer et aussi se reposer. Mais il y aura toujours des streams, il y aura des équipes de jour, des équipes de nuit. Mais il y aura toujours de l'activité. Alors qu'on voit les personnages hein, qui sont masqués. Et on les voit, hein, c'est l'opulence, hein, clairement, ils bouffent bien à la cantine. Allez, on embarque. D'ailleurs, normalement, hein, sur le site du Game Stream Heroes, vous pouvez voir aussi les streameuses et les streamers et découvrir leur petite fiche. Et notre ami Silverwell a été dévoilé il y a très peu de temps. Oula. Ah là là, faut courir, mais faut faire attention quand même. Ah là là, je me souviens de ce passage. Alors que là, elle est là. Les observants en train d'embarquer et de rentrer dans cet endroit qui est, je crois, un restaurant. Voilà. Et là, c'est le passage du jeu qui est assez soutenu. Puisque là, clairement, on n'a pas le droit à l'erreur. Allez, hop, on se faufile. Je me souviens encore de ce passage-là. Oh là là, au secours. Je sais pas si je vais y arriver du premier coup. Voilà, regardez-moi ça. Ils sont en train littéralement de s'empiffrer. Oh le con! Je me suis loupé. J'avais oublié qu'il fallait surtout pas toucher les bouteilles. Tu feras tes lives sur YouTube, j'imagine. Oui, complètement. Alors moi, je serai et sur YouTube et sur Twitch. Je serai sur la chaîne principale Twitch en tant qu'animateur bah, principal avec en co-animatrice donc Alicia L. Et sur ma chaîne, donc en solo sur ma chaîne pour vous proposer des petits lives également de mon côté. On va dire que les événements principaux seront sur la chaîne Twitch. Donc il y en aura pas mal, hein. Il y en a beaucoup que je vais caster. Non, t'es sérieux? Oh! Oh, motherfucker! Oh, il m'a balancé la table dans la gueule, j'ai rien compris à ce qui m'est arrivé. Allez. Mais non, je me suis loupé. Donc pour sûr, hein, il y aura cette tentative sur Super Castlevania d'essayer de faire un temps sympa. Là, il y en a qu'un. Hein. Là, clairement, il y en a qu'un. Oh, je me suis loupé dans mes contrôles. Mais j'ai pas encore trouvé les autres jeux que je pourrais vous proposer.
Il y a un moment, il va y avoir du phasmophobia, vous vous en doutez. Hein. Ce sera du phasmophobia en équipe. Oh là là, il est tellement flippant. Allez, et c'est pas fini, on continue. Parce que là, on n'a pas le choix que de monter sur la table. Avant que l'autre arrive, là. Vite, 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 vite. Et moi, ça, ils sont tellement dans un état pitoyable qu'ils peuvent même pas m'attraper. Ah là là, puis elle est horrible. Ah là 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 là, elle est dégueulasse. Les autres, ils en ont rien à foutre de ce qui se passe, quoi. Ils se goinfrent comme des sacs. Là, c'est l'un des passages les plus hard. Hein. Allez, c'est parti. Puisqu'il va falloir monter sur le pass à un moment donné. On voit un petit dessin de Six juste là. Oh là là, viens, je te fais un gros câlin. Voilà, un gros câlin. Parce que vu ce que je vais devoir affronter juste après, c'est pas ouf. Allez, j'y retourne. Hop. Ah. Voilà. Et cette musique là avec les tambours derrière. C'est vraiment un cauchemar au dron ce jeu, lol. Cauchemar. Oui, l'ambiance dans le jeu, bah oui, complètement. Allez, c'est parti. Hop là. Pas le moment de t'arrêter pour manger une saucisse. Titre. Je me déteste. Vraiment, parfois, même moi, je me comprends pas. Ok. Hop. Tiens, bois donc un coup, ça va te faire du bien. Tiens, attaque de saucisse. T'as oublié les oignons. Tiens. Salade, tomate, oignon. Allez. Je sais plus du coup. Je crois qu'il faut que je ramène, que je tire un truc. Attends, j'ai oublié quelque chose. Essaye de réfléchir deux secondes. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, je me rappelle plus quoi, mais il y a un truc à faire. Ah, je crois que c'est là. Celui-là peut-être. Thank you.
Ah. Au secours. Des fois, c'est limite malsain, voire malaisant, hein, le terme le plus approprié. Je pense que c'est ça. C'est qu'on a ces personnages qui sont là. Regardez-moi ça, les gueules qu'ils ont. Non, mais regarde la bouffée. Oh, mon Dieu. Je sais pas si c'est malaisant ou comment elle a englouti cette saucisse. Regardez-moi ça. 20 cm de saucisse, quoi. Au secours. Au secours, je suis le pire. Allez, hop. Ah. Je crois qu'il faut monter sur la table et sauter par-dessus lui, je crois, de mémoire. Je crois. Je suis plus très sûr. Parce que par là, après, là, on peut pas y retourner. Je crois que c'est ça. Tac. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Et hop. Allez, chais. Bisous chez toi. Hein. Hop là. Ensuite, on enchaîne. Le thème musical est très très cool. Comment je fais pour récupérer la poupée là? Ah, il m'a vu! Mort de rire la saucisse. T'as vu ça? Est-ce que t'as vu cette saucisse quand moi l'a engloutie? Allez, on taille direct. Hop là. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Alors, je crois que c'est ça. Loupé. Alors, j'aimerais bien savoir comment je récupère la poupée, par contre. Attends, je peux pas réouvrir la porte? Ah, j'ai le seum! Oh! Chiotte! Faim, Ika? Ah oui. Ah oui, moi ça m'empêche pas d'avoir faim. Hein. Bon, c'est sûr que je mangerai pas des saucisses, hein, ça c'est sûr et certain. Hein, mais oui, moi je. Il faut quand même beaucoup de choses, hein, pour me dégoûter, hein, vraiment. Par contre, il faut peu de choses pour me tuer. Voilà. Je sais plus comment on récupère la poupée. Ah putain, crotte de... Non, si. non, si, non, oui, non, peut-être. Ne se prononce pas. Je crois qu'on la récupère après la poupée. Le thème musical est incroyable, hein. Moi j'adore. Hop là. Voilà, je me cache là-dedans. Tranquille. Tranquille, caché, t'es où? Je cache pas. Oh, il faisait. Derrière le bonhomme, il faisait l'amour à un morceau de viande mort de rire. Ouais, il y a certaines scènes qui sont. C'est particulier. Vraiment, hein, si tu regardes tout en détail, il y a des choses qui sont quand même vachement creepy. Hein.
D'où le fait que je disais tout à l'heure qu'il y a des choses qui sont un peu... c'est un peu malsain, quoi. C'est malsain, c'est malaisant, c'est... Mais c'est ce qui fait aussi que le jeu possède vraiment une identité très très particulière. Voilà, je veux même pas savoir ce qu'ils font. Hop. Voilà. Tout ça pour ça. Hop. Sauce blanche. Ah bah bravo. Bravo. Alors là, c'est l'un des moments les plus dégueulasses du jeu. Vraiment, s'il y a un point de sauvegarde ici, vous allez voir, c'est pas pour rien. Ouh. Allez. Et c'est parti. Sauf qui peut. Ah là 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 là, c'est infâme. Ah. Wouah, je me suis fait écraser. Ça fait penser un petit peu à la scène dans World War Z, avec le flot de zombies continu qui devient une masse finalement organique. Bah là c'est la même, hein, sauf qu'ils sont pas des milliers, ils sont quelques-uns, mais ça suffit largement pour t'écraser. Allez. Ah puis la gueule avec les masques et tout, là ils sont infâmes. Six, cours. Oh là là, alors là c'est horrible. Ah, vite Six. Alors, hein, fais-moi les malins maintenant. Ah, c'était chaud patate. Voilà, la petite sauvegarde ici. Ouh. On va découvrir ce qu'il y a derrière. Ah. Je crois savoir où on est. Je crois savoir où on est. Oh là là là. C'est le GG. Merci ma petite Hélène. Là je sais même pas si j'ai envie de remettre la cam parce que quoique je réponds pas forcément de la réaction que je vais avoir. C'est un moment du jeu charnière, si je dis pas de bêtises, si je me trompe pas. Et ouais, chaud patate. Allez, je remets ça vite fait. Hop, voilà, tac. Le cadre, la petite cam, recoucou. Hop là. Là, on a encore donc Six qui... Ah oh, putain.
À ce moment-là du jeu, quand on fait Little Nightmare pour la première fois, alors attention, gros spoil, hein. Donc si vous avez jamais fait, voilà, arrêtez-vous là et passez à la suite. Hein, je considère que vous avez pris le temps de vous arrêter si vous avez jamais fait les Little Nightmares. Le petit personnage que vient donc de tuer Six, en fait, n'est rien d'autre que le petit garçon que vous interprétez dans Les Secrets de l'Antre. Voilà le destin tragique que va vivre ce petit garçon dans cette aventure, donc dans le DLC Les Secrets de l'Antre. Il va vivre des trucs de malade, hein, vraiment. Au final, pour finir comme ça. J'ai bien réussi à prendre sur moi parce que la première fois que j'ai vu cette scène-là, parce que j'ai fait Little Nightmare 1, j'ai très rapidement fait le DLC. Et c'était encore très frais dans mon esprit. J'avoue, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal. La force de ce jeu, c'est que oh là là, la maquerelle, c'est que il vous fait passer par des instants très particuliers qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le jeu vidéo. Donc là, on vient d'apercevoir, hein, la grande dame, la grande geisha. Ouvrir l'ascenseur. Hop, loupé. Mais c'est un moment très particulier, hein, quand vous faites Little Nightmare. Vraiment. Oui, c'est horrible, complètement. Complètement. Voilà. On va aller chercher le prochain point de sauvegarde. Là, on commence à s'approcher, ouais, milieu du jeu, bien avancé. Voilà, un bon milieu de jeu, à quelque chose près. Et là, il faut être attentif à tous ces cadres, au décor. Puisque là, on a un mur, hein, avec des tableaux qui sont on ne peut plus dégueulasses. Non mais regardez-moi ça, quoi. Et on aperçoit très très régulièrement donc ce visage blanc, hein, de Geisha, cette femme qui porte un masque. Si elle porte un masque, ce n'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Puisqu'elle utilise donc les enfants, notamment un pour se nourrir, mais aussi pour aspirer leur jeunesse. Puisque, et là on voit une image dans ce cadre un peu particulière, puisqu'on voit un phare. Souvenez-vous de cette image là. Souvenez-vous bien de cette image. Vous allez me dire, quel est l'intérêt de se brosser les cheveux devant un miroir qui ne reflète pas votre image? C'est tout simplement qu'en fait, elle ne supporte pas son image. Elle ne veut pas voir les brides du temps s'attaquer à son visage. Et donc, c'est un personnage... assez charismatique, il faut le dire. Qui pourrait avoir, entre guillemets, l'image ou le reflet donc de la mère, le côté maternel. Pas du tout. C'est tout le contraire.
Et elle est particulièrement sournoise et particulièrement horrible aussi. Voilà, là il faut être discret. Alors un pot avec un symbole qu'on reconnaît tout de suite. Hop, on va aller se cacher. Alors le cadre qui est complètement sur la droite, au début je me demandais si c'était Six. Là, voilà, le cadre qui est juste là. Et on aperçoit quasiment le même cadre en bas avec un habit jaune. Vous voyez juste là. Donc je me demande en fait si c'est pas une reproduction de Six, mais bon, je pense que non. Je pense que non. Allez, on va repasser de l'autre côté. Et là, elle est plus là. Donc on va en profiter pour récupérer la petite poupée. Poupée que je... Voilà. Hein, ça ressemble à une petite geisha. Hop, ça c'est fait. Sur le tapis, on ne fait pas de bruit. Et tous ces mannequins avec des robes de geisha, il y a un moment dans le jeu, c'est vers la fin du jeu. Il est horrible. Il est horrible ce moment-là. Parce que vous êtes complètement dans le noir et vous ne savez pas à quel moment c'est un mannequin, à quel moment c'est ce personnage féminin, quoi. Il y avait aussi un moment comme ça dans Little Nightmare 2, c'était dans l'hôpital. Avec les mannequins et tout, ah, c'était horrible. C'est l'une de mes phobies, ça et les clowns. C'est vraiment quelque chose qui me... Je vais pas dire qui me terrorise, mais je suis clairement pas à l'aise. Je suis clairement pas à l'aise avec ça. Moi, tu m'enfermes dans un magasin avec... J'avais oublié plutôt. Oh putain. Non. Cours. Ça s'est joué à pas grand chose. Vous voyez, en plus, ça a des pouvoirs surnaturels, donc c'est assez flippant. Ah, j'en ai la chair de poule. Allez, go. Ah, puis le bruit qu'il a fait, on dirait The Grudge. Et là, on voit bien que Six, hein, n'est pas très 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 bien. Hein. Et vous pensez que c'est terminé? Quel doux euphémisme. Y a pas un truc de sauvegarde là? Je me demande s'il n'y a pas un truc de sauvegarde dans le coin là. Une petite bougie ou un truc comme ça. Non. Ouais, chaud, il va falloir enquiller là. Donc on sait qu'elle est là, enfin qu'elle est toujours là parce que donc Six fait de la buée. Hein. Et elle peut aussi éteindre votre briquet. Voilà. Là, t'es pas bien hein, quand c'est comme ça. Une grande pièce vide, hein. Et ça peut tomber à n'importe quel moment. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est les pieds. Ah, donc là, on se faufile. Ça se voit que je suis pas bien ou Ah oui, le miroir. Le fameux miroir qui va nous servir
à la mettre en déroute. Puisque le miroir donc va refléter son image. Et comme vous pouvez le constater, tous les miroirs sont pétés. Hein. Allez, premier affrontement, elle est là. Elle ne laissera pas le choix de toute façon. Oh my god. Mouchinelu. Donc il faut bien orienter. Voilà, il faut aller le plus rapidement possible dans la lumière. Je vais cauchemarder cette nuit, lol, avec des saucisses géantes, m'endormir. Ouais, non, mais... Ah bon, pour le coup... C'est vrai que maintenant que j'y repense, cette scène est particulièrement... Je sais pas ce qui est passé dans la tête des devs à ce moment-là, en fait. On va lui faire avaler une saucisse de 20 cm. Ça va être génial. Allez, je te calcule pas. Où est la lumière? Là. Bam! Vite, 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 relève-toi. Six, six, relève-toi. Hop. Hop là. Allez. Il y avait un truc dans ce genre-là aussi. Dans Little Nightmare 2, avec des ombres. Les ombres des enfants. Donc en l'occurrence, leurs âmes. C'était atroce. Ce moment-là était particulièrement atroce. Voilà, elle tourne autour de vous là, avec son visage. Voilà, j'en ai la chair de poule là. Vraiment. Incroyable aussi. Elle lâche pas l'affaire. Hein. Tragique de cette femme qui ne voulait que la jeunesse et la beauté éternelle et qui va littéralement se faire poutrer par Six, sauf que les conséquences vont être dramatiques. Et bonsoir Outsiders, j'espère que tu vas bien. D'après Viet, oh là, Six vient de commettre un acte irréparable qui va eh bien malheureusement avoir un impact très très important. Cette scène, les scènes qui viennent là sont incroyables. Alors, je vais faire un truc. Je veux que vous profitiez de ça absolument. Du coup, j'enlève la cam, le cadre. Voilà. Profitez de cette scène parce que ça vaut le coup. On voit que quelque chose a changé chez Six. Et pas que. Tout là va être sublimé par la DA du jeu, par l'OST et par ce qui va se passer.
avez capté ce qui est en train de se passer là? Juste en se déplaçant, sans même bouger le moindre petit doigt. Allez, regarde à peine. Cette scène était littéralement trop bien. Et qu'est-ce qu'on entend ? Les petits gémissements de ces fameux petits lutins. Libérés, mais malheureusement pas retransformés. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était Little Nightmare. Et j'aurais kiffé le faire avec vous. Donc il n'est pas très très long. Mais que d'émotion. Que d'émotion en tout cas. On va se mettre sur la scène. Hop là, juste là. Voilà, avec le chat, avec la musique en fond. Voilà, Bandai Namco a eu le nez fin avec ces développeurs-là pour cette série de jeux, cette saga de jeux. Le troisième opus arrive en 2024. Il n'y a pas encore de date officielle annoncée. Mais un jeu génial dans sa direction artistique, dans son visuel. Le gameplay est assez sympa, même si des fois, ce n'est pas tout à fait très très précis, hein. Mais en tout cas, ce qui véhicule, que ce soit le message, l'histoire, le personnage en lui-même, un personnage qui ne parle pas, mais tout passe par ses actions, tout passe par ce qu'il fait. Et là, concrètement, on voit ce petit personnage donc monter les escaliers et sortir de ce navire. En fait, c'est le phare. Vous avez vu dans cette maison, enfin dans ce couloir, puisqu'on va retrouver donc Six au pied normalement du phare à la fin du générique, je crois, de mémoire, parce que je crois qu'on peut pas le passer, le générique, non, on peut pas le passer, et on retrouve donc Six, hein, qui est au milieu de nulle part, mais voilà, ça s'arrête comme ça jusqu'à ce que le deuxième opus arrive. Je vous proposerai les secrets de l'antre un jour prochain, vraiment, peut-être un petit dimanche, voilà, un petit dimanche chill, un petit dimanche tranquille où on enchaîne les Little Nightmares. Le 2 est beaucoup plus long que le premier. C'était super malsain, mais super. Eh bien, c'était pas mal tout ça. Bah écoute, avec plaisir, je dirais même plus malsain, donc super. Oui, je pense que ce que vous avez retenu, vous, c'est surtout la saucisse de 20 cm. Titre, lol. On aura vécu un petit moment sympathique. Merci d'être venu regarder la fin de Super Castlevania 4 tout à l'heure. Merci d'avoir suivi ce live du pif. Alors, je remettrai évidemment la petite miniature qui correspond. Je changerai le titre et je mettrai donc les bons tags qui correspondent à cette petite vidéo. Je vais aller me chercher à manger parce que j'ai faim et j'ai un peu de route à faire.
Merci pour votre bonne humeur, merci pour votre présence, que ce soit sur le chat ou eh bien, tout simplement hein, derrière vos petits écrans. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. On va s'arrêter là parce que demain, il faut se lever de bonne heure. Donc, je vais vous souhaiter évidemment un très bon dimanche. Merci à Nat, merci à Thanos, merci à Max Blade également. Une bise aux autres modérateurs, Menchi, Yamete et Mysterion de la chaîne Gaming Wiz. On vous fait à toutes et tous des gros bisous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en vous remerciant d'avoir été présents. Et évidemment, je vous souhaite un bon app. Merci ma petite Eden. Merci mon bon Thanos. Merci mon bon Outsiders. Et toutes les personnes hein, qui sont passées. On a eu du beau monde ce soir. Eden toujours là pour nous faire rigoler, ça. Pour le peu qui est Eden, Nat et Thanos, bah alors là, ça part en cacahuète. Et puis alors, s'il y a Eden, Nat, Thanos et Alex, en plus Outsiders, bah alors là, c'est la débandade absolue. Puisqu'on avait vu hein, que Nat, Thanos et Alex, à qui je fais un gros bisou d'ailleurs, hein, c'était parti littéralement en couille. Mais c'était tellement drôle, vraiment. Donc je vous remercie pour tout ça, pour ce que vous m'apportez. C'est vraiment c'est une très très belle récompense. Je vous remercie évidemment. Cette outro a beaucoup trop duré. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, c'est que du jeu, amusez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour un nouveau live. Et surtout, n'oubliez pas, allez voir le site du GameStream Heroes et ses réseaux sociaux. C'est bientôt. Des bisous, bonne soirée et bonne fin de dimanche.